C'est Neos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous vous apprendre, enfin vous montrer un nouveau glitch qui est vraiment très intéressant. Et donc ce glitch constitue constitue, je sais pas ce que ça dit, enfin bref, on s'en fout. Donc il va vous permettre de faire spawner le Skylift, donc je sais pas si j'ai bien dit. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans GTA 4, si vous vous en rappelez bien, dans le mode histoire et dans le mode online, si jamais vous avez modé, enfin quoi que ce soit, c'était un hélico où on pouvait accrocher des trains à l'hélico. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà il va falloir aller dans l'éditeur, vous allez créer un affrontement. Donc je vous conseille de faire ça sur la plage parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'espace, ou sur l'aéroport, mais je sais sur l'aéroport de Trevor, pardon. Donc vous allez placer déjà la zone d'activation, enfin c'est comme si vous allez créer un affrontement. Et là on va passer directement au véhicule. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir aller chercher donc les bateaux. Donc les bateaux, hélicoptère, avion, bateau. Une fois que vous avez mis le bateau, vous allez prendre le voilier. Donc là vous allez vous mettre là, et là normalement vous allez le poser et faire et voilà, vous allez le poser et le reprendre. Et donc du coup vous allez avoir le Skylift. Donc voilà ce que le Skylift. Donc voilà, c'est ça, j'ai du mal à m'exprimer. Donc vous voyez que c'est un peu dur à le faire spawner. Et donc là vous pouvez très bien changer la couleur. Donc ça fait comme si vous avez créé un affrontement modé. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais faire un affrontement dessus. Donc on peut en mettre un jaune. Je vais même en mettre, on peut en mettre n'importe quelle couleur. Hein. Je vais en mettre un jaune. Mais on peut mettre n'importe quelle couleur. Par exemple on va mettre un rose. Merde. Je l'ai perdu. Donc je vais refaire la manip en même temps, ça va me permettre de la refaire. Donc vous allez dans l'eau, vous prenez le marquis, vous le posez, vous le reprenez et vous avez le Skylift. Donc vous appuyez sur A et vous rappuyez sur A une fois arrivé sur le machin, sur le bateau, et après vous avez plus que à le reposer et à changer de couleur tout simplement. Donc voilà, rose vif. Et donc voilà, donc j'espère que ce glitch vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous le présenter. Donc voilà, donc moi je vais vous dire à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.